Shalom, bonjour et bienvenue dans notre émission Parcours. Moi, c'est la sœur Florence Nzouzi. Aujourd'hui, nous sommes avec l'homme dédié qui est précisément en Afrique du Sud. On va partager un thème et on va parler un peu avec l'homme dédié parce qu'on a besoin de la parole, on a besoin d'écouter la parole. Parler de Dieu et parler du Saint-Esprit, ici on dit toujours, nous sommes basés sur les enseignements des apôtres et Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire. Donc on va écouter l'homme de Dieu, il va nous expliquer. Et le thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ et les sacrifices parfaits. Vraiment, on va écouter l'homme de Dieu, il va nous expliquer pourquoi Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Donc parler du Saint-Esprit, bientôt on va commencer. Papa, nous sommes déjà en direct. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 5 sur 5. Dieu merci. Donc, c'est la première fois de passer sur le Parvis TV. Donc, vous pouvez vous présenter et parler un peu de vous dans quelques minutes. Merci. Oui, shalom, shalom, shalom. Avant toute chose, je crois que nous allons commencer par la prière. Amen. Bénir d'abord le Seigneur qui nous a appelés, qui nous a donné cette opportunité de pouvoir parler devant les enfants des dieux dispersés dans le monde. Amen. Juste prendre une minute, deux minutes pour remercier ce grand Dieu, les dieux, les créateurs du ciel et de la terre. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, tu es le véritable Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que premièrement, tu nous as donné la bonne santé. Tu nous as donné la vie à tout un chacun. Mm-hmm. Tu es le meilleur Dieu de tous les dieux de ce monde. Amen. Tu es le Créateur. Tu es le Dieu qui a renouvelé encore ton amour éternel au milieu de ton peuple. Amen. Pendant que beaucoup, Seigneur, sont troublés, mais tu as encore rassemblé autour de ta table, Jésus, tout un peuple, pour écouter ta parole, mm-hmm. pour qu'ils reçoivent, ô Dieu de Tout-Puissant, la consolation et la paix véritable. Nous recommandons cette émission entre tes mains, que tu sois le commencement et que tu sois la fin. Que tu consoles le cœur de tout ton peuple, Jésus, pendant que beaucoup sont dans des troubles, pendant que beaucoup se posent des questions, mais la parole nous dit, tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Et au temps de la détresse, Seigneur, tu as envoyé encore ta parole qui est Jésus-Christ est le Seigneur véritable, le sacrifice est parfait. Amen. Nous voulons partager, Seigneur, cette portion de l'Écriture. Amener, Seigneur, cette parole dans le cœur de ton peuple, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es le seul véritable Dieu. Tu es le seul qui a amené la paix dans le cœur de ton peuple. Amen. C'est pourquoi la fin, tu as dit, je vous laisse ma paix. Et que cette paix que tu nous as laissée, Jésus, demeure dans nos cœurs, console nos cœurs et guérit le cœur qui est malade. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Ouais, merci, maman. Merci, maman Florence. Moi, c'est le bien-aimé Blanchard Mavungu. Mm-hmm. Je suis précisément en Afrique du Sud, dans la ville de Cape, donc Cape Town. Mm-hmm. Je suis serviteur dans l'Assemblée chrétienne de Crayfontaine. Ok. C'est là où je suis parmi les serviteurs qui ont eu la charge de conduire le peuple de Dieu. Mm-hmm. Bon, mon parcours, en réalité, je suis venu du Congo, de la République démocratique du Congo. Ok. Et c'est depuis 2001 que je suis en Afrique du Sud. Et pendant ces temps-là, Dieu m'a fait grâce d'être parmi les enfants de Dieu. Amen. J'ai évolué premièrement à Misenberg, qui est un quartier connu des Congolais, de l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Et de là, j'ai été avec les hommes de Dieu, le pasteur Didier Ditoko, j'ai évolué avec le pasteur Jeff Timba et le pasteur Israël, qui n'est plus ici en Afrique du Sud, qui est aux États-Unis. Okay. Donc de là, c'était le commencement, en fait, dans le monde spirituel. Nous étions encadrés mm-hmm. dans cette assemblée de Bethsaïda, l'église Bethsaïda à Misenberg. Mm-hmm. Et puis vers 2004 et 2005, il y a eu scission. J'ai quitté Misenberg, je crois vers 2006, je suis allé à Woodstock, qui est aussi un quartier ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, mm-hmm.
où j'ai évolué avec l'homme de Dieu, le bishop Mukele, le bishop Mukele, qui est aussi parmi les hommes de Dieu respectés dans la ville de Cape Town. On a évolué avec l'homme de Dieu et vers 2009-2010, j'ai rejoint l'Assemblée chrétienne de Crayfontaine. Là où j'évolue jusqu'à ce jour avec mes pères, qui sont le prophète Gaius Poba et puis l'apôtre Tichic Matundu. Et nous avons aussi d'autres serviteurs qui sont aussi en œuvre, qui ont reçu la même charge que nous, de conduire les troupeaux de l'Éternel. Alors, depuis 2017, j'ai été choisi parmi le peuple, comme d'habitude, Lévi qui était aussi peuple de Dieu, qui étaient aussi les enfants d'Israël, parmi les enfants d'Israël, mais arrivé quelque part, ils devaient être choisis par le Seigneur pour conduire le peuple de Dieu. Donc, j'ai été choisi du milieu du peuple de Crayfontaine pour devenir un des serviteurs de Dieu. Donc, vers 2017, j'ai été choisi et je commençais à partager la parole de Dieu, à enseigner et à encadrer certains fidèles. Donc, c'est un peu ça le parcours. Depuis 2017, je suis comme serviteur reconnu officiellement dans l'Assemblée chrétienne de Crayfontaine, où j'évolue avec beaucoup, beaucoup de gens, où j'encadre aussi spirituellement beaucoup d'enfants de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. C'est ça un peu, en quelques mots, notre parcours dans la ville de Cape Town. Wow! Que le Seigneur soit loué. Vraiment, nous sommes dans la joie d'écouter votre parcours. Et aujourd'hui, vous êtes invité ici sur le parcours. Vous avez expliqué votre parcours. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais l'homme de Dieu, aujourd'hui, comme j'avais dit avant, on va partager un thème qui est Jésus-Christ et les sacrifices parfaits. Et à travers ce thème, on a besoin de comprendre d'abord comment définir un sacrifice. Oui, merci, merci pour la question, ma sœur Florence. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est une question vraiment très, très pertinente. C'est une question très, très pertinente pour les enfants de Dieu. Personnellement, je ne saurais pas définir le mot sacrifice par rapport au dictionnaire Larousse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous définissons les termes par rapport aux Écritures. Oui. Parce que moi, je crois que Dieu a tout mis par écrit, même nos réflexions. Par rapport, là, je suis dans les livres de Proverbes 22, Oui. 20, je crois, jusqu'à 21. Dieu parle des réflexions. Tout a été écrit, mis à la disposition de son peuple. Alors, premièrement, moi, j'ai défini d'abord les sacrifices comme un don. Amen. J'ai défini les sacrifices comme un don, comme un présent offert à une divinité en signe de réparation ou en guise d'implorer sa grâce, ses bénédictions et autres. Ça, c'est d'abord par rapport à Proverbe 21. Je suis en train de prendre Proverbe 21, verset 14. Je ne sais pas si vous me donnez un peu la facilité de lire aussi les Écritures pour permettre un peu d'éclairer un peu le peuple de Dieu. Bien sûr que oui, papa. Vous avez la parole, vous pouvez lire. Par rapport à Proverbe 21, qui est le livre écrit par notre bien-aimé Salomon, qui est le sage, lui, dans Proverbe 21, 14, il dit: un don fait en secret apaise la colère. Amen. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. D'abord, il y avait la colère. Dieu était en colère avec l'homme. Oui. Depuis l'Éden, Dieu a chassé l'homme de l'Éden. Dieu était en colère. Mais Dieu cherchait un don. Et Dieu avait besoin d'un présent. Et c'est ce don-là qu'on parle du sacrifice d'abord. Donc, je suis en train de définir le sacrifice premièrement comme les dons, comme le présent qui devait apaiser la colère de Dieu. Mais c'est tout un sacrifice qui devait se faire en cachette. Ça, c'est d'abord la première définition du mot sacrifice. Et je donne encore une deuxième définition. Le sacrifice peut être défini aussi comme les prix à payer. Oui.
Les sacrifices, c'est tout un prix qu'il faudrait payer pour racheter tout un peuple ou bien une terre. Là, je suis dans Lévitique 25. Je suis dans Lévitique 25. Je peux commencer par Lévitique 25. D'abord, je peux lire Lévitique 25. La Bible dit ceci. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a les droits de rachat. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ouais. Alors, si nous passons, nous allons vers 48, toujours le même chapitre, verset 48. Là, on nous révèle encore un élément. On nous dit, il y aura pour lui les droits de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra les racheter. Amen. Mais dans 50, on dit, il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Oui. Et les prix à payer, c'est ça maintenant les sacrifices. Les prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. Donc, par définition, d'abord, il y a beaucoup d'éléments. Il faut d'abord comprendre les sacrifices par rapport à notre sujet. Oui. Parce que nous sommes en train de développer le sujet Jésus-Christ et les sacrifices parfaits. Donc, il faudrait d'abord aider les peuples de Dieu de comprendre d'abord que pourquoi Jésus est appelé sacrifice. Pourquoi d'abord les sacrifices? Mais qu'est-ce qui fait d'abord sacrifice? Ce sont des questions à poser. Alors, il faudrait d'abord commencer par expliquer, à définir comme tu l'as posé, comme la question a été posée, les sacrifices. Donc, il faut d'abord comprendre les sacrifices comme un don d'abord, comme une offrande qui devait apaiser la colère de Dieu. Amen. Parce que Dieu était devenu ennemi de l'homme. Dieu était devenu ennemi de l'homme parce que l'homme a transgressé. L'homme a péché. L'homme a rejeté la loi de Dieu. Et Dieu a chassé l'homme. Alors, il a fallu maintenant un don qui devait calmer ou apaiser la colère de Dieu. C'est ça qu'on appelle d'abord sacrifice selon la Bible. C'est là où même je pourrais prendre encore Apocalypse 5, 9 pour toujours renchérir notre idée. Pour vous aider à comprendre clairement la pensée qui est cachée derrière les sacrifices. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté. » Tu vois? Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, les sacrifices, d'abord par définition, c'est un prix à payer. C'est un don pour apaiser la colère de Dieu. Et ensuite, je l'ai défini encore comme un prix à payer pour racheter tout un peuple. C'est un peu ça la réponse à ta préoccupation, ma sœur Florence. Vraiment, que le Seigneur soit loué, parce que c'est un don vraiment. C'est vraiment un prix que le Seigneur a fait pour nous. Vraiment, pour ça, je veux juste comprendre, comme nous parlons des sacrifices, et la deuxième question est de savoir, si je peux poser ça, la deuxième question, mais c'est la question... Et de savoir pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament? Parce que nous voyons dans ça, il y avait aussi des sacrifices, quand on lit la Bible, on voit aussi d'autres dieux, il y avait des sacrifices de personnes, il y avait des sacrifices des enfants, il y avait des sacrifices des humains. Donc, mais pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices d'animaux? Oui, maman, la question est tellement pertinente. La question est tellement pertinente. Pourquoi Dieu a choisi l'animal comme sacrifice? Il faudrait d'abord comprendre comment Dieu a écrit la Bible.
Nous devons d'abord commencer par le commencement. Ouais. Et en tout cas, je m'excuse pour la tautologie. Donc, nous devons retourner au début. OK. Nous avons remarqué que le jour où Adam est tombé, le Seigneur est venu. Vers le soir, la Bible nous dit, le Seigneur, la voix de Dieu parcourait les jardins. Mm-hmm. Et Dieu cherchait le fils de Dieu. Parce qu'Adam était fils de Dieu par rapport à Luc 3, 38. Oui. Il était le fils de Dieu et Dieu lui donna une terre qui était le jardin d'Éden. Mm. Mais après transgression, la Bible nous révèle que Adam et la femme se sont cachés quelque part. Oui. Mais lorsque Dieu est arrivé, Dieu a commencé à poser des questions. Et après question et jugement, Dieu va maintenant tuer un animal. Oui. Dieu va tuer un animal et cet animal, en réalité, ce n'était pas un animal qui était dans les jardins. Okay. Parce que Pierre nous révèle que c'était un animal qui était déjà préparé depuis l'éternité, depuis la fondation du monde. Amen. Dieu a déjà préparé un animal. Mm-hmm. Donc, lorsque Dieu descend, Dieu quitte la nature de l'esprit parce que Dieu est esprit. Oui. Dieu quitte la nature de l'esprit. Dieu devait porter tout un corps. Mmh. Et lorsqu'il porte le corps, Dieu devient un sacrificateur. Oui. Sacrificateur, c'est-à-dire quoi? Il devait tuer un animal. Mmh. Prendre maintenant un animal, tuer l'animal. Mmh. Mais lorsque nous allons dans l'ordre de la création, oui, nous allons remarquer que l'animal a été créé le sixième jour. Oui. Dieu commence le sixième jour à créer l'homme et l'animal. Il crée l'homme et la femme a été créée la dernière personne. Mm-hmm. Donc en réalité, l'animal a été créé avant que l'homme soit même manifesté. Mm-hmm. Mais il y avait une pensée que Dieu cachait. Ouais. Nous allons d'abord lire Lévitique 17, verset 11, pour aider le peuple de Dieu de comprendre. Mm. En tout cas, je suis plus dans Lévitique que les gens me pardonnent. Ouais. C'est vraiment un livre très, très capital pour nous. Mm-hmm. C'est un livre très, très important. Ouais. La Bible dit ceci dans Lévitique 17, 11, « Car l'âme de la chair est dans les sangs. » Car l'âme de la chair est dans les sangs. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Alors, nous allons comprendre ceci. Mm-hmm. Dieu regarde l'animal. Oui. Il regarde que l'animal aussi a le sang. Mm-hmm. Mais l'homme qui est perdu, l'homme qui a échoué, l'homme qui a transgressé, il devait être racheté. Oui. Mais le travail, en fait, Dieu devait prendre d'abord l'animal. Mm-hmm. Donc, en réalité, l'animal, Dieu a utilisé l'animal pour payer la dette de l'homme. Ok. L'animal était celui qui devait payer le prix. Oui. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Oui, papa, je Donc, comprends. Dieu voulait voir d'abord que c'est l'animal qui devait payer le prix de l'homme. Mm-hmm. Mais lorsque nous marchons dans la marche, donc nous continuons à marcher, oui, arrivé dans Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 1. Mm-hmm. Dans Hébreux 10, on nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Mm-hmm. Et dans le verset 4, là nous allons continuer plus tard parce que là dans le verset 4 on dit « Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Mm-hmm. » Donc, Dieu a utilisé d'abord l'animal comme ombre, okay, comme image, comme représentation. Okay. Parce que Dieu voulait juste expliquer à l'homme
qu'un jour, moi, Dieu, je porterai la nature de l'animal, je serai appelé par Jean-Baptiste l'agneau de Dieu, et je verserai mon sang à la croix de Golgotha, et ce sang-là va payer le prix et racheter l'homme. Amen. Donc, c'était toute une image, c'était l'ombre. Parce que Dieu ne fait rien sans d'abord annoncer son programme d'action. Mais Dieu utilise les signes. Dieu utilise les signes. Il est en train d'utiliser la création. Parce que dans Romains 1, 20, on parle de la création comme des perfections invisibles de Dieu. Tu vois, donc Dieu devait prendre l'animal qui était proche de l'homme, parce que l'homme, l'animal et la femme sont des créations du sixième jour. Donc l'animal, c'était comme proche de l'homme. Ok. Donc, il était comme proche de l'homme, et Dieu devait utiliser comme matériel didactique pour parler des choses à venir. Si je comprends bien, Dieu a utilisé l'animal pour c'était comme la préfiguration. C'est ça la préfiguration, c'est ce qu'on appelle la préfiguration. Oui. Donc, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Mais la pensée qui était cachée, c'était que Dieu lui-même devait se faire un jour sacrificateur. Amen. Donc, Dieu devait porter la chair de l'homme, devait devenir semblable comme Adam. Oui. Parce que Dieu est esprit par rapport à Jean, je crois, Jean 4, 24. Oui. Jean 4, 24 nous révèle que Dieu est esprit. Oui. Mais c'est Dieu qui est esprit, devait porter un corps, devenir sacrificateur. Amen. Sacrificateur, c'est-à-dire quoi? Tuer un sacrifice, tuer un animal. Mais l'animal qui devait être tué, c'était Dieu lui-même, mais sous forme de sacrifice. Amen. Donc, dans un autre langage, Dieu s'est tué. Amen. Hein, donc, Dieu devait se tuer, mais il devait venir comme un simple homme. Mais lorsque Jean-Baptiste le regarde dans Jean 1, 29, Jean regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, Jean-Baptiste, comme prophète, il voit Jésus qui était homme, il le voit comme un agneau. Donc, il le voit comme un animal, parce que déjà dans l'ombre, dans la préfiguration, dans l'Éden, on a vu la mort d'un animal. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Oui, oui. Donc, l'animal, c'était d'abord la préfiguration des choses qui devaient venir dans les temps. Oui. C'est un peu ça la réponse. Si vous avez encore d'autres questions, on va toujours continuer à développer. Ouais. On est toujours là pour toi. On prouve. Pasteur, nous sommes à la fin de la première partie de notre émission. Quel message pouvez-vous dire au peuple? Oui, merci ma sœur Florence. En tout cas, que le Seigneur te bénisse pour le travail accompli à Battu. Merci. Nous remercions le Seigneur d'abord parce qu'il a accompli de grandes choses. Nous demanderons toujours au peuple de Dieu de continuer à suivre l'émission et de se disposer. Parce que des moments pareils, c'est un moment très compliqué. C'est le moment où l'ennemi, il est en train vraiment de créer des situations difficiles pour égarer les enfants de Dieu. Continuez à nous suivre, soyez vraiment attentifs à ce qui est dit ici. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez comprendre d'abord les sacrifices de Dieu, vous allez comprendre la vie de Dieu. Et en tout cas, Dieu va opérer de grandes choses dans votre vie. Amen. Donc continuez toujours à nous suivre sur le parvis, donc vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous sur la deuxième partie. Au revoir. Bye bye.